Comme les kayakistes, ils sont assis un peu à l'étroit. Les as de l'armée française défileront au-dessus des Champs-Élysées lors des cérémonies du 14 juillet. Les premières répétitions se sont déroulées aujourd'hui sur la place de Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire. Reportage en plein ciel, bien sûr, d'Olivier Santiquet et Christophe Niolac. C'est la grande migration annuelle. Les ailes françaises convergent vers la base de Châteaudun pour la répétition du défilé aérien du 14 juillet. Avec la marine nationale, la gendarmerie, l'armée de terre et bien sûr l'armée de l'air. Notre hôte pour ce vol, le capitaine Caroline. Instructrice sur Alpha Jet, elle forme les pilotes de demain, éligibles avec un simple baccalauréat. Il y a de la remise en question, s'adapter à des situations, à maîtriser son stress, de toutes certaines qualités, on va dire, comme la persévérance et la motivation, ainsi que la rigueur. Le recrutement est permanent, notamment à cause du rythme des engagements. Entre la protection du territoire et les opérations d'extérieur, les aviateurs sont bien au-delà des obligations opérationnelles. À l'étranger, par exemple, un avion vole autant que 5 avions en métropole. La présentation, place de la Concorde, obéit au même diktat que d'habitude. 3 secondes de tolérance pour le rendez-vous, à 300 mètres de hauteur et 560 km/h. Seuls exemptés, les chasseurs F-16 et F-22 américains. Ils ne seront là que le jour J, avec pour consigne de suivre scrupuleusement les Français. Rien n'est jamais simple dans ce genre de choses, parce qu'on va quand même faire passer 9 Alpha Jet plus 6 F-16 plus 2 F-22 dans un slot de 30 secondes sur la tribune. Il faut que ce soit quand même bien préparé. Petit regret pour les curieux et les passionnés, traditionnellement agglutinés autour de la base, le faible nombre d'hélicoptères présents aujourd'hui. Tant mieux pour les Parisiens, l'ensemble du contingent sera bien présent au-dessus des Champs-Élysées le 11 juillet pour le dernier entraînement. Et sachez à ce propos qu'Emmanuel Macron a officiellement convié le président américain Donald Trump à assister aux cérémonies du 14 juillet. Annonce faite il y a moins de 2 heures par l'Élysée, la Maison-Blanche n'a pas encore répondu à l'invitation. 2017 marque, vous le savez, le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo agitée d'Evin Delia, nos chers voisins, Nicolas Canteloup et son compère Nikos. Place ensuite à 2 autres compères, ceux de l'arme fatale. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1.